Là, les gars, j'ai décidé de vous passer un peu de rock pour que vous voyez un peu le résultat sonore, qu'est-ce qui va s'avérer avec les Kenwood. Vu que ce sont des enceintes acoustiques de haut niveau, forcément pour des enceintes audiophiles, pour moi, je te dis, c'est vraiment ma typologie de. Enfin, pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Une enceinte qui va être bonne en acoustique, tout ça, pour le rock, ça n'ira pas. Et là, en fait, je vais te le prouver, dans le sens où l'écoute, pour moi, l'écoute, elle va pas être super agréable parce qu'il va y avoir trop de sibilance, en fait, tu vois. Alors que je préférais un petit peu plus de douceur quand même. Voilà, j'ai les oreilles qui sont sensibles, donc voilà, c'est quelque chose où pour moi c'est infaillible. Voilà, si une enceinte qui est audiophile, elle peut pas être rock derrière. C'est pas possible. Après, elle peut être polyvalente, et là, dans ce cas-là, oui. Mais dans la polyvalence, t'as pas l'extrême de la perfection en matière hi-fi. Tu vois ce que je veux dire? Donc hi-fi. Restituer les instruments comme il se doit en réel avec toute l'émotion qui passe par là et tout le reste en fait. Donc voilà, c'est pour ça vraiment je tenais à te dire donc ces deux différences-là, que rock et hi-fi, ces deux mondes qui sont différents pour moi. Que ce soit du rock aussi, du métal, ou même après d'autres musiques qui sont pas forcément acoustique, tout ce qui va être fait par ordinateur. Voilà, donc forcément ça t'apporte d'autres choses différentes. Mais quand t'as des enceintes audiophiles, tu sais ce que tu vas écouter avec. Tu vas pas te permettre d'aller écouter de tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça que les enceintes polyvalentes, à bien prendre en compte, une enceinte qui est polyvalente, c'est bien pour quelqu'un qui écoute de tout, mais celui qui va être exigeant en matière de hi-fi, qui va être audiophile, forcément, il va pas kiffer forcément les enceintes qui vont être en lambda, on va dire, avec où tu vas pouvoir écouter de tout. Voilà, les gars, j'espère que tu as compris ma démarche à ce niveau-là, parce que pour moi, c'est important de le souligner aussi. Tu vois, il y a des sujets comme ça qu'il faut aborder, et là, j'en profite justement à travers les Kenwood pour élaborer le sujet. D'ailleurs, je vais juste regarder un truc. Mais vu que ça faisait 2 minutes, écoute, on va relancer la musique. Je vais relancer la musique, je vais la lancer après, et comme ça tu verras la différence. Comme ça fait un petit sujet entre deux musiques.